frères et sœurs, merci pour votre présence. Veuillez nous excuser pour ce retard. Et comme vous le savez, hein, il y a beaucoup de gens qui viennent les lundis et les mardis et, pour nous voir. Donc on ne peut pas les rejeter. Donc voilà, donc que Dieu soit béni pour votre compréhension. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Merci pour la parole qui nous guérit, qui nous sauve, qui nous libère. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà, merci pour votre compréhension. Que Dieu soit béni. Et comme d'habitude, on se laisse guider. On ne veut pas être figé. On veut se laisser guider. Donc, le plus important, c'est le salut des âmes. Voilà, donc des frères et sœurs qui viennent avec des cas, des problèmes, des gens qui sortent aussi des hôpitaux et qui viennent pour la prière. Et merci Seigneur parce qu'il nous donne la force pour pouvoir leur venir en aide et partager, échanger, prier pour eux au nom de Yeshua. Voilà, donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 6 et nous allons partager sur le sixième sceau. Seigneur, notre Père, nous te confions cette émission, sois-en le maître, conduis-nous par ton Saint-Esprit, guide nos pas, dirige nos vies vers ta lumière au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël, nous te prions, Père de gloire, Amen. Donc on a vu hein, dans Apocalypse chapitre 4, Jean, comme on l'a lu la dernière fois, il reçoit l'invitation, il reçoit la convocation pour se rendre au ciel, et il va être ravi au ciel, et on lui a dit qu'on allait lui montrer les choses qui allaient arriver. Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Et il devait bien sûr recevoir des révélations concernant l'avenir. Et comme vous le savez, le livre de l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse est un livre qui nous dévoile le futur de l'humanité. Et donc il arrive au ciel, il voit un trône dans le chapitre 4 et ensuite au chapitre 5, il voit un être assis sur un trône, sur ce trône, avec un livre, ayant un livre dans sa main droite. Et personne n'était capable de prendre ce livre et d'en rompre les sceaux. Il y avait 7 sceaux dessus. Et Jean a pleuré parce que personne n'était capable de le faire. Et un des anciens qui siège au ciel autour du trône de Dieu dira à ce prophète, à Jean, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et c'est lui qui est capable de prendre ce livre et d'en rompre les sceaux. Et effectivement, Yeshua, donc, qui est ce lion, va prendre ce livre et il va en rompre les sceaux. Et à chaque fois, Jean va entendre les 4 êtres vivants lui dire « Viens et vois ». Et donc là, il était en train d'assister aux événements qui allaient, qui allaient arriver, hein, qui allaient se produire sur, n'est-ce pas, dans les nations. Et des événements qui allaient se réaliser, se produire dans le monde. Et donc là Jean était là comme un spectateur. Voilà, donc il a assisté à toutes ces choses. Et au déroulement hein, des événements en relation avec la fin de temps, avec la restauration des nations, avec la restauration d'Israël, tout ça. Et, voilà. Et au chapitre 6, justement, et là, c'est l'ouverture des sceaux. Et nous sommes dans le verset, donc chapitre 6, verset 12. « Et je regardais quand il eut ouvert le sixième sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. » Voilà, donc, ça c'est la première chose qui va se produire à l'ouverture du sixième sceau. Eh bien c'est quoi? C'est le tremblement de terre. Voilà, et le Seigneur bien sûr a annoncé qu'il allait avoir plusieurs tremblements de terre, et donc on va lire justement un passage en relation avec cette parole de Jean dans Matthieu chapitre 24. Donc c'est un passage que vous connaissez bien évidemment. Alors Matthieu 24, et les apôtres bien sûr demandent au Seigneur de leur montrer, de leur parler des signes, leur donner des signes qui allaient précéder son retour. Et le Seigneur dit au verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que
Toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation se lèvera contre une nation, une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, de pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Des tremblements de terre en divers lieux. Et il y a toujours eu des tremblements de terre, c'est vrai. Mais vous serez d'accord avec moi que notre génération connaît une croissance, hein, donc exponentielle, et de tremblements de terre. Une répétition. Il y a une régularité, hein, donc des tremblements de terre actuellement, depuis quelques années déjà. Et on sent que ces tremblements de terre ont aussi un rapport avec, n'est-ce pas, certainement, hein, le dérèglement climatique. Effectivement, l'homme pollue de plus en plus. L'homme détruit de plus en plus la terre, la création. Et il y a de plus en plus de tremblements de terre. Et on va justement aller voir quelques images rapidement, hein, de derniers tremblements de terre, notamment. En Équateur et aussi enfin, au Japon. Et il y a de plus en plus des morts, de plus en plus des villes qui sont détruites. Donc, je ne sais pas si l'équipe technique est déjà allée, parce que je n'ai pas le retour au niveau de l'écran ici par rapport aux images. Voilà, donc vous allez voir un peu que les prophéties s'accomplissent. Donc voilà, alors je ne sais pas si l'image est déjà en train d'être diffusée. C'est bon? Voilà, donc là, je crois que nous sommes au Japon et il y a eu beaucoup, beaucoup de victimes et ça, c'est tout récent. Et voilà, donc, et puis il y a aussi, voilà, c'est toujours au Japon, il y a aussi ce risque, hein, d'une catastrophe nucléaire parce que vous savez que le Japon dépend beaucoup, comme beaucoup de pays aujourd'hui, hein, de centrales nucléaires, tout ça. Et donc, si ces centrales sont touchées, affectées, donc s'il y a des fissures, eh ben, il va y avoir, bien sûr, comme à Tchernobyl, tout ça, il va y avoir une catastrophe nucléaire, tout ça. Et ça va affecter encore beaucoup, beaucoup de personnes, provoquant aussi beaucoup, hein, de cancers et diverses sortes de cancers. Et voilà, donc on va continuer dans les images. Regardez un peu vous-même ce qui se passe. Hein, donc, regardez l'état des routes. Et voilà, donc je crois que nous sommes en Équateur ici. Voilà. Et donc tout est détruit. Et on voit bien que ces tremblements de terre sont de plus en plus forts. Hein, ça détruit de plus en plus de villes. Et la parole nous dit que la terre tremble. La terre est secouée. Donc, et regardez l'état des routes. Donc on voit vraiment que les sceaux sont déjà ouverts depuis et les trompettes ont déjà aussi retenti, on en parlera, sauf la dernière. Et voilà, donc là, on ouvre le sixième sceau et là, tout de suite, c'est le tremblement de terre. Mes amis, regardez, il y a des belles maisons qui se fissurent, qui se cassent, qui se détruisent, tout ça. Et c'est impressionnant de voir l'état dans lequel se trouvent des villes, des pays. Hein, donc, suite à des secousses, parfois c'est des petites secousses, hein, tout simplement, et puis tout s'écroule. Pour vous montrer à quel point, mes amis, nous n'avons pas à nous fier, à nous, n'est-ce pas, nous baser sur ce que l'homme peut construire, ce que l'homme peut faire, ou encore nous appuyer sur l'homme. Hein, donc, parce que les maisons s'écroulent comme des châteaux de cartes, hein, suite à des petites secousses. Et donc, on voit bien que le monde est vraiment. De plus en plus ébranlé, la terre est de plus en plus ébranlée, et nous attendons heureusement un royaume qui ne peut être ébranlé. Voilà, donc là, c'est l'ouverture du sixième sceau, donc tremblement des terres. On continue à vous montrer les images. Je sais que vous suivez les informations, vous voyez ce qui se passe. Mais il y aura de plus en plus de tremblements des terres parce que le Seigneur dit qu'il y en aura beaucoup. Donc de plus en plus, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait d'autres catastrophes. Des pays qui n'ont jamais été touchés par des tremblements de terre seront touchés. Donc, il faudrait de plus en plus s'y attendre. Voilà. Et ces tremblements de terre vont annoncer, donc, notamment les tremblements de terre en rapport avec l'ouverture du sixième sceau. Donc, ces tremblements de terre vont, bien sûr, inaugurer d'autres catastrophes. Et c'est ce que nous allons justement voir dans le chapitre 6 d'Apocalypse. Au verset, donc on continue à vous diffuser les images, au verset 13, et on nous dit, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque le figuier
est agité par un grand vent et laisse tomber ses figues encore vertes. Voilà. Alors, ça, c'est la deuxième chose que l'on voit. Et donc, la deuxième chose que l'on voit après le tremblement de terre, c'est le soleil qui devient noir comme un sac de grain et la lune qui devient rouge comme du sang. Alors, on nous parle ici du soleil et de la lune. Et au verset 13, on nous parle des étoiles. Donc, on nous parle des astres. Alors, je voudrais d'abord ici faire une interprétation allégorique et un rapport avec Israël. Parce que vous ne devez pas oublier que les prophéties bibliques doivent être interprétées, premièrement, en accord, en rapport avec Israël. D'accord? En tenant compte d'Israël. Parce que vous savez que le christianisme est judéophobe. Hein? Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont judéophobes. C'est-à-dire, pour beaucoup de chrétiens, Dieu n'aime plus les Juifs, n'aime plus Israël. Et d'ailleurs, il y a une doctrine, comme vous le savez certainement, qui s'appelle la doctrine de la substitution ou du remplacement, qui dit, qui enseigne que Israël, n'est-ce pas, a été remplacé par l'Église. Et toutes les prophéties relatives à Israël sont, n'est-ce pas, interprétées en rapport avec l'Église, sont attribuées à l'Église. Et ça, c'est une erreur monumentale. Et d'où vient cette doctrine? Ben, elle vient de beaucoup de pères de l'Église. Ce qu'on appelle pères de l'Église, c'était des philosophes grecs et latins qui étaient judéophobes, antisémites, et qui, comme Marcion, qui est le premier homme à avoir rassemblé, n'est-ce pas, les écrits de la Nouvelle Alliance, Marcion, qui était un hérétique, hein, donc qui a vécu au début du deuxième siècle, est le premier à avoir utilisé les expressions Ancien et Nouveau Testament. Et il disait que il y a deux dieux, selon lui. Il y a Démiurge. Démiurge, c'est le dieu méchant, hein, Démiurge, qui était une divinité grecque, égyptienne. Et Démiurge, selon Marcion, était le dieu de l'Ancien Testament, le dieu méchant. Et le dieu bon, c'est le dieu du Nouveau Testament, selon lui. Alors, Marcion a jeté le fondement sur. Il a jeté le fondement de la judéophobie du christianisme actuel, n'est-ce pas? Et de l'antipathie de beaucoup de prédicateurs, de beaucoup de prophètes par rapport à Israël. Alors, du coup, ben, beaucoup de prophéties, si ce n'est toutes les prophéties bibliques, sont attribuées à l'Église et Israël est complètement, n'est-ce pas, effacé par ses enseignants. Et ça, c'est une erreur. Ici, dans Apocalypse 6, on nous parle du soleil. Et on nous parle du soleil, on nous parle de la lune et on nous parle des étoiles qui vont tomber du ciel. Donc bien sûr, on va aller vérifier dans les Écritures pour comprendre que représentent le soleil, la lune et les étoiles. Nous sommes d'abord dans Genèse. Genèse chapitre 15. Nous lirons à partir du verset et à partir du verset premier. Genèse 15, à partir du verset premier. Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abram dans une vision en disant: Abram, ne crains point, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abram répondit: Seigneur Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans laisser d'enfant après moi. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Abram dit aussi: Voici, tu ne m'as pas donné d'enfant. Et voici, le serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici, la parole de Yahweh vint à lui en disant: Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Puis l'ayant fait sortir dehors, il lui dit: Lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Ainsi sera ta postérité. Donc on voit que Dieu, dans les Écritures, nous apprend que les étoiles, hein, du ciel, donc, voilà, préfiguraient aussi, hein, la postérité ou les enfants d'Abraham. Or, nous savons que les enfants d'Abraham sont d'abord ses enfants biologiques, naturels, c'est-à-dire Israël et aussi les Arabes.
Il ne faut jamais l'oublier. Parce que Abraham a eu deux enfants, Ismaël, l'aîné, et Isaac. Donc, les Arabes et, mes amis, les Hébreux, les Juifs, constituent ces étoiles-là. Bien sûr, il est question aussi de l'Église, parce qu'il y a aussi la postérité spirituelle d'Abraham, donc nous autres, membres de l'Église. Mais c'est d'abord, n'est-ce pas, Israël. Nous devons d'abord faire une interprétation ici, littérale, et par rapport, c'est-à-dire attribuer, comme Dieu l'a fait, hein, les étoiles, la lune et le soleil à une nation, c'est-à-dire à Israël et aussi aux Arabes. Donc on voit déjà ici, les étoiles représentent, selon Dieu, d'abord les enfants d'Israël, la postérité physique d'Abraham. Ensuite, nous sommes toujours dans Genèse 37, cette fois-ci. Genèse 37, là c'est la vision de Joseph. Dans Genèse 37, qu'est-ce que nous lisons? Au verset 5, « Or Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. Il leur dit donc, « Écoutez, je vous prie, le songe que j'ai eu. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu d'un champ. Et voici, ma gerbe se leva et se tint droite. Et voici, vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Alors ses frères lui dirent, Régneras-tu sur nous et domineras-tu sur nous ? Et ils le haïrent encore plus que ses songes, et plus pour ses songes et pour ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères en disant, « Voici, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant toi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Alors, regardez l'interprétation de Jacob. Et son père le réprimanda, et lui dit, « Que veut dire ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Donc, quand Joseph a raconté ces deux songes à ses frères, notamment à son père, et surtout le deuxième songe, où il était question des 11 étoiles, lui-même Jacob, lui-même Joseph étant la 12e étoile, Joseph dira également qu'il y a eu le soleil même et la lune qui s'étaient prosternés devant lui. Et Jacob a compris que lui-même était le soleil, sa mère, donc sa femme, était la lune et ses 11 frères, les 11 frères de Joseph, donc ses 11 enfants, étaient les 11 étoiles. Donc on voit bien que, mes amis, les étoiles ici, la lune et le soleil, prophétiquement nous parlent d'abord d'Israël. Sachez que Jean, quand il va recevoir ses illuminations, il était sur l'île de Patmos, il était persécuté. Donc il va utiliser beaucoup de symboliques, hein. Il va utiliser des symboliques. Pourquoi ? Parce qu'il était persécuté. Il ne pouvait pas nommer les gens de peur de mourir avant le temps. Donc, il va utiliser des symboles et des codes. Voilà. Donc, il parle de la bête. On sait que c'est l'Antichrist. À l'époque, c'était Domitien, l'empereur romain. Tout ça. Il parle de la femme et qui était. On va le lire d'ailleurs. Hein, donc, qui avait la lune sous ses pieds. Donc, il est question, bien sûr, toujours d'Israël. Et regardez dans Apocalypse 12. Et un grand signe parut dans le ciel. Verset 1er. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait étant en travail d'enfant, souffrant les grandes douleurs de l'enfantement. Voilà. Donc on voit bien que cette femme ici, nous dit la Bible, était revêtue du soleil. Or, littéralement, une femme ne peut pas se revêtir du soleil parce que c'est impossible. Le soleil est une étoile, hein, notre soleil par exemple, notre soleil hein, est 900 fois plus gros, 900 fois plus grand que la Terre. Et aucune personne humaine ne peut s'approcher du soleil sans bien sûr être consumée. Donc ici, il est question d'une symbolique, hein, d'une image. Et cette femme, c'est Israël. Eh ben, le soleil ici, eh ben, c'est le fondateur d'Israël, c'est-à-dire Jacob. C'est le père d'Israël. Voyez. Donc, et là, cette femme, c'est vraiment Israël.
Et on nous dit également que le soleil était son vêtement, son manteau. Et la lune était sous ses pieds. Et la lune, bien sûr, c'est la femme de Jacob. Voilà, comme on l'a vu dans Genèse 37. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Eh bien, les 12 étoiles, on l'a vu également dans Genèse 37. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Rappelez-vous bien, dans Genèse 15, Dieu a dit à Abraham que sa postérité allait être aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Donc on voit bien que, mes amis, pourquoi 12 étoiles? Parce que 12, c'est le nombre de fondements, c'est le nombre de fondements. Voilà. Donc il est question ici, mes amis, d'Israël. Voyez? Et qu'est-ce qu'on apprend dans Apocalypse 6? Ben, on apprend que le soleil va devenir comme un sac de crin. Alors le sac de crin, on peut taper sur Google pour montrer aux frères et sœurs le sac de crin et commencer. Et pour ceux qui ne connaissent pas, et on nous dit que la lune va être rouge aussi comme du sang. Hein. En fait, Joël, le prophète, a prophétisé sur ces choses-là. Donc, voilà. Donc, on apprend que à l'ouverture du sixième sceau, Dieu annonce un temps de souffrance pour Israël. Un temps de, n'est-ce pas, d'angoisse pour Israël. Regardez ce que la parole nous dit dans Joël chapitre 2, au verset 30. Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Hein, et de colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Donc je me répète, Joël 2:30. Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant le grand jour et terrible jour de Yahweh. Avant le grand et terrible jour de Yahweh. Avant que le grand et terrible jour de Yahweh, n'est-ce pas, ne vienne. Donc, on apprend que juste avant le retour de Yeshua, le soleil va être dans les ténèbres. Hein, sac de crin, c'est tout noir, mes amis. Donc, avant que le jour de Yahweh ne vienne, le soleil deviendra ténébreux, la lune sera ensanglantée. Ensanglantée. Et c'est ce que les Écritures nous apprennent. Ça veut dire quoi? La lune en sang. C'est du sang. C'est-à-dire, beaucoup des Juifs seront exécutés, beaucoup des Juifs mourront. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec mes amis Hitler? Qu'est-ce que Hitler a fait? Voilà le sac de crin. Noir comme le sac de crin. Voilà. Qu'est-ce que Hitler a fait, mes amis? Écoutez bien l'enseignement biblique. Parce que les gens pensent que il faut à tout prix qu'il y ait aussi la lune en sang de manière visible. Et d'ailleurs, il y en a qui sont tombés, hein, il n'y a pas longtemps, là, un faux prophète a annoncé le retour du Mashiach, hein, au mois de septembre parce que la lune était en sang. Mais Jésus-Christ n'est pas revenu. Il faut faire une autre lecture de la prophétie biblique, mes amis. Il faut tenir compte de la place d'Israël dans la prophétie biblique, pour ne pas, mes amis, sortir à côté de l'évangile. Donc, quand la parole parle de la lune qui va être en sang, on nous parle du sang des Juifs qui va couler. D'accord? On nous parle des massacres des Juifs. Et regardez bien, mes amis, Dieu a dit dans Genèse 3:15, il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu écraseras le talon de la postérité de la femme. Donc on voit qu'il y a une inimitié, une haine entre le serpent et la femme, c'est-à-dire entre Satan et Israël. Et nous voyons effectivement dans Apocalypse 12, on nous dit que le serpent ancien, c'est-à-dire Satan, le diable, va poursuivre la femme. Regardez bien. Il va poursuivre la femme, donc Israël, pour l'attaquer, pour détruire cette nation.
Nous sommes dans Apocalypse 12. Regardez bien. On nous dit au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils. Le fils ici, c'est Yeshua. Ce n'est pas une église, l'église composée de grands prophètes, de grands apôtres comme certains l'enseignent. Non, le fils de la femme ici, c'est Yeshua. Rappelez-vous bien que Yeshua, homme, était 100% juif. Il a dit à la femme samaritaine, le salut vient des juifs, c'est-à-dire Yeshua sortira d'Israël, littéralement. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Donc on voit que le serpent ancien, le dragon, va poursuivre la femme Israël pour la persécuter. Et ça a toujours été le cas. Israël a toujours été persécuté par le serpent, c'est-à-dire par les gouvernements de ce monde, par les hommes de ce monde. Voilà pourquoi il y a de plus en plus, comme vous le savez, de l'antisémitisme, tout ça, de la judéophobie. Hein? D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de juifs quittent l'Europe pour rentrer en Israël. Beaucoup de juifs quittent la France pour rentrer en Israël. Donc, c'est l'accomplissement de la parole. Et ce qui s'est passé à l'époque d'Israël, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on va retrouver ces images-là, s'il vous plaît. Le massacre des juifs par Hitler. Voyez? Donc, il y a eu plus de 6 millions de morts. On les a mis dans des chambres à gaz. On les a gazés. On les a maltraités. On les a tués. On les a exécutés. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une réalité, même si beaucoup veulent l'ignorer. Oui, il y a d'autres peuples qui sont persécutés. Ça, il n'y a pas de problème. Comme au Congo RDC, il y a plus de 6 millions de morts. Ça aussi, on en parle. On dénonce ces choses-là. Il n'y a pas de problème. Mais nous devons rester, mes amis, dans le contexte de la parole de ce soir, de la prophétie de ce soir, qui a un rapport avec Israël. Quand on parle de la lune qui allait être en sang, Dieu voulait dire par là que le sang des Juifs allait beaucoup couler. Allait beaucoup couler parce que la lune parle de Rachel. Le soleil nous parle de Jacob. N'est-ce pas? Donc, n'allez pas attendre ce que la lune visible qui a sur vos têtes, au-dessus de vos têtes, devienne tout rouge pour vous sanctifier par rapport au retour de Yeshua. Non! Il faut faire une interprétation prophétique. Il faut avoir l'esprit, mes amis, qui a inspiré, qui a révélé ces choses au prophète pour comprendre sa pensée. Voyez? N'allez pas braquer vos télescopes, tout ça là, vers le ciel, sur la lune, sur le soleil, pour vérifier si ces choses arrivent ou pas, pour vous sanctifier. Non, ça c'est l'ennemi qui vous inspire comme ça, mes amis. Non. Alléluia, gloire à Dieu. Donc il est question du massacre du peuple d'Israël, du peuple juif, par les nations. Et le soleil va être complètement dans les ténèbres. Ben, on nous parle le soleil. Quelle est la mission du soleil? Quel est le rôle du soleil? Hein? Regardez bien. Nous sommes dans Genèse 1. Pour que vous compreniez l'enseignement biblique, mes amis. Il nous faut l'illumination. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 1. Au verset 14. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer la nuit d'avec le jour, qui servent de signes pour les saisons, pour les jours et pour les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel afin d'éclairer la terre. Aha. Et il fut ainsi. Donc le rôle du soleil, c'est d'éclairer la terre. Or, le soleil qui devient ténébreux, on nous parle de l'apostasie. Dieu parle de l'apostasie. Il nous enseigne ici, lors de l'ouverture du sixième sceau, il nous annonce que Israël allait devenir une nation apostate. Car la mission d'Israël, à l'origine, c'était d'éclairer les nations. Voilà pourquoi Dieu leur a révélé la Torah. La révélation de ta parole est claire. Et elle donne de l'intelligence au simple. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, nous dit Psaume 119, 105. Or, Israël, nous dit la parole, un temps allait venir où Israël, en tant que nation, n'allait plus, n'est-ce pas, jouer son rôle d'éclaireur, son rôle de luminaire. Voilà pourquoi on nous dit que le soleil allait devenir ténébreux, comme un sac de grain. Les ténèbres, c'est l'apostasie. Les ténèbres, c'est la compromission. Les ténèbres, c'est la religion. Les ténèbres, c'est la religiosité. Et Dieu nous apprend que Israël allait devenir une nation ténébreuse. Israël allait devenir une nation comme les autres
adorant des divinités païennes, se comportant comme d'autres nations, d'autres peuples. Et à cause de cela, eh bien, la lune allait être ensanglantée, complètement en sang. C'est-à-dire le fait que, à cause, parce que Israël va s'éloigner de la parole du Seigneur, parce que Israël va devenir complètement dans les ténèbres, ténébreux, eh bien, Dieu va envoyer son jugement et beaucoup de gens vont mourir, le sang va couler. Voyez? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que la parole nous dit, justement? On vous montre les images. En même temps, je continue de lire la parole pour que vous compreniez encore le message bien comme il faut. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, le passage que vous aimez beaucoup, que nous aimons beaucoup. Jean 1, qu'est-ce qu'on y lit, mes amis, ici par rapport au soleil, n'est-ce pas? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres. Quelles ténèbres? Eh bien, le soleil était dans les ténèbres. Quand Jésus est venu, il a trouvé Israël dans les ténèbres. Il a trouvé le soleil Israël dans les ténèbres. Voyez? Il a voulu éclairer cette nation. Et la Bible nous dit quoi? Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Voyez? Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. Donc, l'évangile est arrivé, mais Israël a préféré les ténèbres. C'est pour cela que le soleil, Israël est devenu comme un sac de crin. Voyez? Et Israël n'éclaire plus les nations. Israël, n'enseigne plus aux nations l'adoration, du véritable Dieu, du Dieu unique et non le Dieu trinitaire. Non, un Dieu composé de trois personnes distinctes, co-créateur, co, je sais pas quoi, co, les co là, tout ça là, c'est la sorcellerie. Israël n'a plus joué son rôle. Israël est devenu comme une nation, comme toute autre nation. Voyez? Et Yeshua dit quoi? Yeshua va pleurer sur Israël en disant: Jérusalem, Jérusalem qui tue, qui lapide, hein? Ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Désormais, votre maison sera abandonnée, hein, et jusqu'à ce que vous me disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voyez? Et c'est ça, Israël. Et d'ailleurs, pour votre information, on va comparer, Jésus va comparer Israël à un figuier dans lors de l'ouverture du sixième sceau. Il dit, regardez, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui me viennent à l'esprit comme ça. C'est magnifique ce que Dieu fait, mes amis. Alléluia. Voyez, ceux qui ne tiennent pas compte d'Israël, ceux qui rejettent Israël, ils vont interpréter cette prophétie en cherchant une lune qui est complètement ensanglantée, tout ça là, et ils vont prédire le retour de Yeshua en septembre, tout ça là, et on est toujours là, hein, parce qu'ils ne comprennent pas que la lune est déjà ensanglantée depuis des années, le soleil est déjà en ténébreux depuis des ténèbres depuis des années. Ils n'ont pas compris que nous sommes à la veille du retour du Mashiach. Regardez, mes amis, toujours dans Apocalypse 6, au verset, n'est-ce pas? Le verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque le figuier est agité par un grand vent et laisse tomber ses figues encore vertes. Le figuier. Le figuier, il y a plusieurs arbres qui, n'est-ce pas, représentent Israël. Israël est souvent, mes amis, représenté par les armes, le figuier, la vigne, hein, tout ça. Et regardez ce que Yeshua dit par rapport au figuier, justement. Dans Luc, chapitre 13, à partir du verset 6, il disait aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva pas. Et il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Et le vigneron lui répondit et dit: Seigneur, laisse-le encore pour cette année,
je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être portera-t-il du fruit, sinon tu le couperas après cela. » On voit bien qu'ici, mes amis, le figuier stérile nous parle d'Israël. Hein, nous parle d'Israël. Donc, la parole est claire. Donc, je crois que vous avez compris que le figuier dont il est question dans les Écritures, notamment dans Apocalypse 6, hein, c'est Israël. Donc, les étoiles, le soleil, la lune, c'est Israël qui va être secoué. Secoué. Secoué tellement que le Seigneur dit, les figues vont tomber. Eh ben, les figues, c'est les étoiles qui, comme les étoiles, c'est la même chose, qui tombent. Le figuier, c'est Israël. Les figues, ce sont les étoiles qui tombent du ciel. C'est-à-dire, le ciel, c'est quoi ici? Le ciel, c'est l'élévation. C'est-à-dire, Dieu avait élevé cette nation. Voyez? Et là, maintenant, il y a un vent. Le vent, c'est le jugement. Comme les quatre vents des cieux qui vont faire irruption sur la grande mer dans Daniel 7. Le vent, c'est le ruach en hébreu. C'est l'esprit de Dieu qui souffle pour secouer les nations, mes amis. Et Israël sera secoué également par ce vent, comme tel un figuier. Eh ben, les étoiles. Eh ben, les étoiles, c'est qui? Ce sont les juifs. Ce sont aussi les étoiles, ce sont aussi des gens qui sont élevés, les autorités. Hein? Si on regarde à l'histoire d'Israël, dans l'histoire juive, vous allez voir que après Yeshua, déjà avant, beaucoup d'autorités parmi les juifs étaient tombées. Beaucoup. Et après Yeshua, eh ben, quand il a, une fois qu'il a été rejeté, eh ben, beaucoup parmi les autorités sont tombés. Des pharisiens sont tombés. Le Seigneur l'a dit. Et beaucoup de gens sont venus. Bar Kokhba, un juif qui est venu au deuxième siècle pour lutter contre les Romains. Eh ben, il a été attrapé par l'empereur romain Adrien, qui l'a fait lier, exécuter. Et Adrien, il va jusqu'à raser Jérusalem, à changer même le nom de Jérusalem en celui de Aelia Capitolina. Vous voyez, la ville de Jupiter. Et il va même interdire l'accès de Jérusalem aux Juifs. Et les Juifs vont quitter Jérusalem, vont se réfugier dans le monde entier. Il va massacrer plusieurs Juifs. Déjà en l'an 70 après Jésus-Christ, le temple va être détruit, incendié, selon la prophétie du Seigneur Yeshua. Et là, il y a eu beaucoup de sang, le sang a coulé. Et du premier siècle à nos jours, il y a eu des millions de Juifs qui sont, mes amis, qui ont péri. Donc on voit bien que cette prophétie s'est déjà accomplie. C'est déjà accompli, mes amis. On attend quoi encore pour se préparer? Voyez? Et Yeshua a beaucoup parlé d'Israël, a beaucoup pleuré. On voit la chute des étoiles en Israël. La chute. Vous savez, on peut pas. Les étoiles dont il est question ne sont pas des étoiles physiques. Je vous ai dit, les étoiles sont des soleils aussi. Et si une étoile tombe sur la terre, mais la terre ne pourra plus exister parce que les étoiles sont plus grosses que la terre. Notre étoile la plus proche, c'est notre soleil. Et notre soleil est 900 fois plus gros que la terre. Donc, vous vous imaginez? Donc il est question ici des hommes d'abord, d'Israël, qui vont tomber, des juifs qui vont tomber, secoués par le vent de Dieu, secoués par le jugement de Dieu parce qu'ils ont rejeté le Messie. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts. Les Juifs sont retrouvés dans le monde entier, sans nation, pendant des années et des années. Et regardez actuellement comment Israël est secoué. Israël est secoué. Israël est entouré par des nations arabes qui, en permanence, secouent cette nation avec des attentats, avec des menaces. En permanence, Israël est menacé. Donc, il y a beaucoup de secousses. Il y a beaucoup de sang qui coule. Suivez les informations. Voyez, donc, c'est la prophétie qui se réalise aujourd'hui. Mes amis, et c'est depuis des années plutôt, je dirais, c'est depuis des années. Donc les images de la Deuxième Guerre mondiale, hein, des Juifs qui sont enfermés dans les camps de concentration, tout ça là, vous pouvez aussi, on peut retrouver tout ça aussi, hein. Ce serait une bonne chose. Et Israël est, et donc le soleil est tellement devenu ténébreux que Apocalypse 11 nous dit que Jérusalem actuellement est considérée comme Sodome et Égypte. Donc, c'est terrible, mes amis. C'est pas moi qui le dis. Voyez? Après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte saisit ceux qui le virent. Et regardez, donc nous sommes dans Apocalypse 11, pardon. Voilà, c'est le verset 8 que je cherchais. Et leurs cadavres seront étendus sur les places de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte où
Hein? Là aussi, notre Seigneur a été crucifié. Or, Yeshua a été crucifié à Jérusalem, bien sûr, hors de la ville, mais c'est à Jérusalem, donc à côté. Donc on voit bien que Israël est comparé, donc notamment Jérusalem, à l'Égypte et à Sodome. Pourquoi? Parce que le soleil, donc Israël, le soleil, la lune, tout ça, eh ben le soleil est devenu ténébreux, c'est le péché. Aujourd'hui, on parle de la Gay Pride en Israël, à Jérusalem, vous vous rendez compte? Je suis allé à Tel Aviv, il y a quelques années, j'ai vu à quel point cette ville est devenue, mes amis, comme Sodome et Gomorre, comme d'autres villes. Voilà. Et c'est terrible. C'est terrible de voir à quel point, mes amis, le peuple de Dieu s'est éloigné de la parole de Dieu, devenant comme d'autres peuples. Vous voyez? Donc, cette prophétie s'accomplit. Voilà, donc il est question d'Israël. Donc là, on voit des enfants juifs hein, dans le camp de concentration, donc lors de la Deuxième Guerre mondiale, des enfants qui ont été marqués, hein, qui ont été écrabouillés, tout ça. Voilà, donc c'est terrible de voir à quel point, mes amis, et d'ailleurs, pour votre information, les Juifs, la marque de la bête, ce que beaucoup oublient aussi, ce qu'on a oublié aussi, c'est que les Juifs étaient marqués par Hitler. Ils étaient marqués. Ils avaient marqué, il y avait une étoile et un numéro. Voyez? Et ils ne pouvaient ni acheter ni vendre sans cette marque-là. Donc, il y a aussi des choses qu'on va développer. Vous allez voir que la plupart des prophéties se sont réalisées et que le Seigneur n'est plus loin. Hein? Donc, il ne faut pas attendre encore d'autres accomplissements des prophéties. Nous sommes déjà à la veille du départ. Voilà. Donc, et c'est terrible, mes amis, à quel point la parole est digne de confiance. Nous vivons, mes amis, les derniers temps, les dernières heures avant le retour du Mashiach. Et regardez toujours dans l'Apocalypse là-bas, chapitre 6. Voyez? La Bible nous dit au verset, donc vous avez compris, le figuier c'est Israël. Et le ciel se retira comme un livre, le verset 14, comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Alors les montagnes ici représentent les nations. Le figuier, c'est Israël qui est secoué. Le soleil et la lune, Israël. Les étoiles, c'est Israël. C'est secoué, cette nation sera secouée. C'est déjà le cas depuis des années. Et ensuite, on nous dit, les nations ne vont pas être épargnées non plus. Hein. Donc on parle d'Israël et on parle des nations. Les montagnes représentent les nations. D'accord? Et qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le ciel va se retirer comme un livre. Voyez? Comme un livre. Et voilà. Et là aussi, c'est symbolique, bien sûr. C'est symbolique. C'est-à-dire, il n'y aura plus aucune protection. Hein? Parce que le ciel, c'est quelque chose qui nous protège, hein, des rayons dangereux du soleil. Et là, il n'y a plus de protection. Les nations ne seront plus protégées par la grâce de Dieu, parce que le ciel qui se retire, c'est comme un livre. C'est Dieu lui-même qui protège le monde, qui protège la terre. Et bien là, il n'y aura plus de protection. Mes amis, on va comprendre tout à l'heure pourquoi. Parce qu'il y a une deuxième interprétation des étoiles. Là, il est question de démons. Et on va le voir. D'accord? Il est question de démons qui vont tomber de plus en plus. Et c'est le cas. On va le voir tout à l'heure. Et regardez ici, on nous dit que les nations seront remuées. Et les rois de la terre, et les princes, et les riches, et les capitaines, et les puissants, et tout esclave, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et entre les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Donc ici, l'ouverture de lors de l'ouverture du sixième sceau, ben on voit aussi la préparation, ou je dirais la colère de Dieu, c'est-à-dire les sept coupes de la colère de Dieu. Donc on va en parler plus tard, bien sûr, donc pas ce soir. Il est question de la colère du Seigneur, et nous ne sommes pas destinés à cette colère-là. Nous sommes pas destinés, nous l'Église, bien sûr. Voyez? Et on dit que les rois vont demander vont demander la mort. Ils vont demander à être cachés. Et regardez ce que Ésaïe nous dit justement. Ce que Ésaïe nous dit, parce que vraiment ça va être quelque chose de terrible. Ésaïe a prophétisé ces choses, hein.
Hein, mes amis, et que Dieu soit béni pour sa parole qui s'accomplit. Alors, je ne sais pas si on a quelqu'un en ligne là. Je crois que les gens. Non. Que Dieu soit béni. Voilà. Donc, alors, nous sommes dans Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 18. Yahweh seul sera élevé en ce jour-là. Quant aux idoles, elles tomberont toutes, et les hommes entreront dans les cavernes des rochers et dans les trous de la terre à cause de la frayeur de Yahweh et à cause de sa gloire magnifique lorsqu'il se lèvera pour faire trembler la terre. Voyez, hein? En ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils étaient faites pour se prosterner devant elles. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des rochers à cause de la frayeur de Yahweh et à cause de la gloire de sa magnifique quand il se levera pour punir la terre, pour faire trembler la terre, punir ou faire trembler la terre. Voilà. Donc, vous voyez que Ésaïe, au 8e siècle, avait déjà annoncé, hein, que les gens allaient se cacher. Donc, là, il est question de la colère de Dieu. Donc, c'est un autre thème que nous allons développer. Mais restons plutôt sur la chute des étoiles, hein, donc la chute d'Israël et la chute aussi des démons. Donc on va maintenant, donc on a fait d'abord une première interprétation du cinquième sceau, c'est-à-dire Israël, le soleil, la lune, les étoiles, c'est Israël, et Israël va être secoué, et ça a toujours été le cas, comme vous l'avez compris. Dieu annonce l'apostasie en Israël et effectivement, beaucoup, beaucoup de juifs, bien même de plus en plus de juifs qui ne croient plus en Dieu. Voilà. Donc, Israël s'est éloigné du Seigneur, adoptant les mêmes lois pratiquement que les nations. Voyez, donc là, le soleil est devenu ténébreux, la lune est ensanglantée, il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de sang avec les attentats, mes amis qui frappent Israël, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de guerres, hein, donc la guerre de 7 jours, par exemple, de 6 jours, pardon, la guerre avec le Hezbollah, la guerre, mes amis. Il y a plusieurs guerres, des attentats, tout ça. Donc, on voit bien que le sang coule de plus en plus. Et il n'y a pas que les Juifs qui perdent, dont le sang est versé, hein. Il n'y a pas que le sang des Juifs qui est versé. Il y a aussi le sang des Arabes. Parce que les Arabes constituent aussi les enfants biologiques d'Abraham. Donc, les étoiles. Il y a beaucoup, beaucoup d'Arabes aussi qui meurent, mes amis, pendant cette guerre. Et en fait, on nous parle aussi de la Troisième Guerre mondiale, parce que là, la chute des étoiles ici nous parle de la Troisième Guerre mondiale, qui sera aussi, pour votre information, une guerre entre Israël et l'islam et les nations arabes. Donc les deux enfants d'Abraham, c'est terrible, Ismaël et Isaac. C'est ça la Troisième Guerre mondiale. Parce que la Russie, la Chine soutiennent, comme vous le savez, les nations arabes, donc musulmanes. Comme Poutine soutient actuellement Bachar, tout ça, donc le roi, le président de la Syrie. Donc on voit bien que donc Poutine, le président de la Russie, ainsi que la Chine soutiennent, donc les deux soutiennent énormément les nations musulmanes arabes, l'Égypte, tout ça notamment, et les États-Unis et quelques pays européens soutiennent bien sûr Israël. Donc on voit bien qu'en fait c'est les nations. Les nations qui seront impliquées dans cette guerre. En fait, c'est la guerre entre Ismaël, l'ancêtre des Arabes, fils d'Abraham, et Isaac, l'ancêtre des Juifs, des Hébreux. Ça va être une guerre entre, ça sera une guerre entre l'islam et le judaïsme. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc, on voit bien, mes amis, que la prophétie se réalise depuis des années. Nous vivons l'accomplissement de la parole prophétique. Et qu'est-ce qu'on apprend également dans Matthieu 24? On va le lire. Donc nous avons fait cette première interprétation donc en rapport avec Israël. Et nous allons faire une deuxième interprétation en rapport avec les démons, c'est-à-dire les étoiles qui vont tomber du ciel. Ce sont les démons qui tomberont de plus en plus du ciel. Et c'est déjà le cas. Et en tombant du ciel comme ça, ben, ils vont provoquer de plus en plus de problèmes de la zizanie. Voilà. Et nous sommes dans... Matthieu 24, au verset, regardez le verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière,
et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc on voit bien qu'avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth, les étoiles vont tomber, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles également, tout ça. Donc c'est d'abord Israël, ça on l'a compris. Donc Jésus-Christ nous annonce que Israël tombera vraiment très bas, vraiment dans l'apostasie. Et voilà, donc adoptant des lois impies, et c'est le cas, et de plus en plus on le voit. Mais il y a d'autres étoiles qui sont concernées. Il est question de démons. On nous dit les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Or, ces puissances des cieux, ce ne sont pas, bien sûr, les anges de Dieu, parce que le royaume de Dieu est un royaume inébranlable. Eh bien, il est question des démons, parce que Éphésiens 6 nous dit quoi? Dans les cieux, hein, il y a des puissances de méchanceté contre lesquelles nous luttons. Eh bien, plus Jésus descend, plus ces puissances-là subissent la pression. Plus ces démons vont tomber. Voyez? Plus ils vont quitter leur royaume dans les airs, dans les lieux célestes, pour, mes amis, se retrouver avec nous de plus en plus. Et là, c'est la pagaille. Hein? N'est-ce pas? C'est la pagaille. Et d'ailleurs, la parole le dit. Vous, cieux, réjouissez-vous. Malheur à la terre et à la mer. Apocalypse 12. Car le diable est descendu vers vous avec ses démons. Hein, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu le temps. Eh ben oui, ces puissances-là, ce sont ces étoiles, ce sont ces démons qui vont de plus en plus, mes amis, tomber. Le Seigneur disait, je voyais Satan tomber comme, n'est-ce pas, voilà, tomber du ciel. Tomber du ciel. Et voilà, nous sommes dans Apocalypse chapitre. Il tombait du ciel comme un éclair, tout ça. Nous sommes dans Apocalypse 12. Regardez bien le verset, à partir du verset 3. Même à partir du verset 1er. Et un grand signe parut dans le ciel. Donc, non, verset 3 et 4. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge feu, ayant sept têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, sept diadèmes. Sa queue, entraîner le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Donc la queue de Satan a entraîné un tiers d'étoiles pour les jeter sur terre. Bien sûr, les étoiles ici sont des démons. Pourquoi, vous me direz, frère, est-ce que tu as encore un autre passage? Bien sûr, mes amis, il n'y a pas de souci. Nous sommes dans Ésaïe 14. Le verset 12, vous allez voir que Satan lui-même est comparé à une étoile, n'est-ce pas? Ésaïe 14, 12. Le verset 12 nous dit quoi? Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Donc on voit bien que l'astre brillant, c'est-à-dire l'astre, c'est une étoile, on peut dire l'étoile brillante. Voilà. Et c'est terrible. Satan est comme une étoile, est appelé étoile. Les anges même sont appelés les étoiles aussi. N'est-ce pas? Regardez dans Job 38. Crois que la parole de Dieu. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne là? La personne veut. Ben, on peut la prendre, il n'y a pas de souci. Bonjour Chora, c'est Laurence. Bonsoir Laurence. Très bien. Et toi? Alors là, les courbatures, bonjour. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voulais intervenir par rapport, du coup, par rapport à un autre truc, mais là, je vois le dragon, tu parlais du dragon. d'accord Et il y a quelque temps, je me faisais la réflexion, justement, parce que le dragon, c'est quand même l'emblème de la Chine, le serpent ancien. mmh. Et on peut remarquer que la Chine fait une grande percée partout dans le monde maintenant, même aux États-Unis, où elle est déjà installée depuis assez longtemps, mais là, avec les Chinois qui avaient immigré. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi voir dans cette avancée considérable de la Chine,
rentrer dans le monde économique capitaliste de la Chine, justement cette progression fulgurante du dragon dans les signes que le Seigneur veut nous donner. Oui, c'est possible. Ça, c'est, on peut faire plusieurs interprétations, mais la première interprétation est la principale. C'est le diable d'abord. Oui. Voilà, donc, effectivement, ça, parce que la couleur préférée de la Chine, je crois que c'est le rouge, c'est le communisme. Hein. Donc, oui, ça, c'est le rouge de toute façon. De toute façon, c'est le rouge. Parce que le rouge amène l'argent, le rouge amène beaucoup de choses chez eux. Le rouge, c'est vraiment le signe du dragon, rouge et noir. Le signe du dragon qui emmène l'argent, c'est l'emblème du dragon, c'est l'autorité démoniaque qui règne chez eux, dans le bouddhisme. Hein. C'est le bouddhisme. Hein. Mmh. Et le shintoïsme et le taoïsme. Mmh. Oui, bien sûr, on peut faire cette interprétation, oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'on ne peut pas voir, parce que bon, bah, après, on voit dans le verset 7 que Michel et ses anges vont combattre le dragon, est-ce qu'on ne peut pas aussi s'imaginer qu'il peut y avoir une guerre avec la Chine? Non, en fait, la guerre de la Chine, ça va être la guerre de. C'est la troisième guerre mondiale, c'est aussi la guerre de Magog, et selon Ézéchiel 38 et 39. Parce que la Chine va se mettre avec. C'est déjà le cas, hein, et la Chine est partenaire de la Russie. Bien sûr, ça, c'est sûr que lors de la troisième guerre mondiale, l'armée qui vient de l'Orient, c'est la Chine en fera partie. On fera partie, mais en tout cas, on va en parler lorsqu'on va parler de l'ouverture des sceaux, comment des trompettes, du retentissement des trompettes, et aussi de comment on appelle ça, des coupes. Hein. Donc, lorsque les coupes seront versées, on va développer tout ça. Ouais. Ok. Voilà. Mais on reste d'abord sur l'enseignement de ce soir, et ça, on pourra développer sur la Chine tout ça lorsque les coupes seront versées. D'accord, très bien. Et puis, je voulais poser une question par rapport à l'enlèvement, parce que je n'arrive pas à trouver sur Internet la réponse. Les enfants. Et la réponse, comme tu le sais, Laurence, hein, c'est dans les Écritures. Il y a des doctrines qui disent que tous les enfants seront enlevés et d'autres, d'autres qui n'en parlent pas du tout. Non, dire que tous les enfants seront enlevés, ça, c'est pas biblique. Et parce que tous ne sont pas des dieux. Donc, c'est la réflexion que je me faisais. Voilà. Non, tous ne sont pas de Dieu. Le Seigneur l'a dit, il y a livré le blé. Et voilà, donc il y a des êtres qui ne sont pas de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées, mais dire que tous les enfants seront sauvés, non, il y a des êtres qui ne sont pas du Seigneur. Tout à fait. Mmh. D'accord. Bah, c'était les deux questions que je voulais poser. D'accord. Merci. Merci, bon courage. Au revoir, Chorak. Au revoir. Voilà, mes amis, donc les démons qui tombent du ciel. Et le Seigneur dit, les puissances des cieux seront ébranlées. Par qui? Eh bien, par le retour, par Yeshua, bien sûr, par rapport à son retour. Plus le Seigneur revient, plus le monde sera secoué. Ne vous attendez pas à ce que les choses se calment. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une accalmie, qu'il y ait plus de travail, plus de... C'est fini cette époque-là, mes amis. Il y aura de plus en plus de crises économiques, politiques. Il y aura de plus en plus de guerres. Il y aura de plus en plus de troubles. Donc, il faut se préparer pour le retour, hein, se préparer pour le retour de Yeshua, se préparer à son retour. Pourquoi? Pourquoi il va y avoir des troubles? Pourquoi il va y avoir des soucis? Parce que le Seigneur les a prophétisés, ces choses. Et aussi, Dieu permet cela pour nous montrer que la terre, mes amis, pour nous enlever le goût de la terre, pour nous pousser plus à aspirer au monde à venir, au royaume à venir, qui est un royaume inébranlable. Voyez? En voyant les problèmes écologiques, les problèmes climatiques, les problèmes, mes amis, avec les guerres, les problèmes de guerre, problèmes de avec sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous ces problèmes-là, nous qui sommes enfants du Seigneur, nous qui espérons à être avec le Seigneur, à demeurer avec lui pendant l'éternité, à vivre avec lui pendant l'éternité, eh bien, nous avons comme un dégoût. Hein. On aime le monde. Le monde, c'est des hommes de ce monde, on les aime, bien sûr.
On aime le monde que Dieu a créé, le monde et la nature que Dieu a créée, j'entends par là. Pas le monde dans le péché, bien sûr, parce que la parole de Dieu n'est pas aimer le monde. Mais on aime la création. Hein. C'est notre Père qui a créé le monde. C'est notre Père qui a créé, n'est-ce pas, la nature. Mais quand on voit, mes amis, l'état de la terre, l'état, mes amis, dans lequel l'homme a mis le monde, ben, on ne peut qu'aspirer à un monde meilleur. Hein. N'aimez pas le monde, c'est-à-dire le monde, comment dire, tel qu'il est organisé, le péché, hein, le monde selon les hommes, hein, l'organisation des hommes, voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est élevé dans le monde, dans ce sens-là. Mais de là à prendre soin de la terre, prendre soin de son jardin, bien sûr, c'est notre responsabilité, mes amis. Voilà, c'est juste une parenthèse. Donc on voit bien que les démons vont tomber de plus en plus. Il y aura de plus en plus la guerre, une guerre spirituelle, une guerre acharnée contre les enfants du Seigneur, contre les chrétiens. Et ça va être terrible, mes amis, parce que les puissances sont secouées. Hein, donc c'est pour cela que, mes amis, il y a de plus en plus de lois impies qui sont votées. Regardez, la conséquence, une des conséquences de la chute des démons, eh ben, c'est des lois anti-bibliques qui sont votées. C'est des lois contre Dieu qui sont, mes amis, votées, promulguées. Et en fait, l'ouverture du sixième sceau nous parle tout simplement d'un monde anarchique, hein, donc de l'anarchie. Et là, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, c'est vraiment un monde sans loi, loi, bien sûr, morale, la loi de Dieu, véritablement. Tellement qu'il y a le chaos, un monde chaotique. Et c'est exactement ce qui se passe, mes amis. C'est le chaos. C'est ce qui se passe avec les tremblements de terre. C'est le chaos. Voyez? Et c'est ce qui se passe avec le soleil qui n'éclaire plus. C'est le chaos. C'est la confusion. En fait, nous sommes ici, le sixième sceau nous parle de la mise en place de Babylone. La confusion par le mélange. Et c'est le cas, mes amis. Et c'est pour cela, mes amis, que Dieu ne peut qu'intervenir rapidement parce que il ne peut pas laisser, il ne veut pas laisser, bien sûr, le monde dans cet état. Donc, il ne peut que rapidement intervenir. Et c'est pour cela que nous parlons du retour du Mashiach rapidement. Regardez ce que la parole nous dit. Le soleil qui s'obscurcit. Eh bien, Ésaïe 60 nous dit quoi? Lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive. Les nations, nous dit Ésaïe 60, sont plongées dans les ténèbres. Les ténèbres recouvrent la terre. C'est écrit. C'est pas moi. C'est-à-dire le soleil qui doit éclairer les gens, ben, l'Israël a perdu la vision et l'Église est la lumière du monde et l'Église va partir. Voyez, donc c'est la confusion totale. L'absence de la lumière du soleil, c'est la confusion. L'absence de la lumière de la lune, c'est la confusion sur terre. Les gens ils savent plus ou ils voient plus. C'est l'aveuglement. Les gens marchent dans les ténèbres. Donc c'est l'anarchie. Et les démons aiment les démons c'est les ténèbres. Hein. Et on retrouve les mêmes ténèbres de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre devint informe et vide. Et il y avait à la surface de l'abîme, n'est-ce pas, les ténèbres et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est les mêmes ténèbres que Yeshua a trouvées quand il est venu en Israël. C'est les mêmes ténèbres qui ont pris de l'ampleur aujourd'hui, mes amis. De l'ampleur. Voyez? De l'ampleur. Ce sont les ténèbres de la religion. Et ces ténèbres ont envahi nos assemblées, des assemblées. Ces ténèbres, mes amis, poussent de plus en plus des pasteurs à voter, à bénir des mariages des homosexuels, à bénir, mes amis, toutes sortes de choses. C'est la confusion totale. Ces ténèbres poussent beaucoup des prêtres, même catholiques, mes amis, à être de plus en plus pédophiles. Et on entend de plus en plus de scandales sur la pédophilie chez les prêtres. Donc, on sent que nous sommes dans un monde où il y a la confusion totale. Ah ben c'est l'ouverture du sixième sceau. C'est la confusion, l'anarchie. La rébellion des enfants vis-à-vis des parents. Dans les églises, les gens sont dans la rébellion. Les gens inventent des choses, toutes sortes de choses dans les églises. C'est la confusion totale. Ils ne savent plus quoi dire. C'est la confusion, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Oh Seigneur, sauve-nous. Et c'est pour cela, mes amis, que les gens vont dire, les rois vont dire, montagne, tombez sur nous. C'est-à-dire, ils vont devenir suicidaires. C'est pour cela que vous voyez de plus en plus de gens se suicider. De plus en plus de gens se tirent une balle parce que, ben, parce qu'ils n'en peuvent plus. Eh ben, je vous dis, mes amis, on nous dit, hein, que là, Jean a vu le grand jour de Yahweh. Sa colère.
Et on va en parler, parce que là, on va en parler plus tard. Vous voyez, le grand jour de Yahweh. Les démons qui tombent, les étoiles qui tombent, et le Seigneur. D'ailleurs, la parole le dit hein, dans Apocalypse 12. Malheur à la terre, car le diable et ses anges sont descendus vers vous. Ils sont déjà descendus depuis longtemps. Mais là, plus Jésus revient, plus le royaume de Satan dans la sphère spirituelle, dans le lieu céleste, plus ce royaume est secoué. Et donc, du coup, sur terre, cela se traduit comment? Par des lois impies, par des guerres, par des troubles, par des divisions dans les assemblées, par des pasteurs qui s'accrochent plus à l'argent qu'à la vérité, par des fédérations d'églises qui rejettent la vérité. Donc tout ça, là, ce sont les conséquences de la chute de Déon. Et l'on retrouve la même chose hein, dans Genèse 6, quand les anges sont tombés, quand ils ont quitté leur dignité, leur demeure, pour aller s'accoupler avec des femmes. C'est la même chose. Et on a appelé leurs enfants les Néphilim, c'est-à-dire les tombés du ciel, les géants. Vous voyez, mes amis? Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, on m'entend? Oui. Oui, bonsoir, c'est frère Charles, c'est Hugues. Bonsoir. Ok. C'est bon, tu m'entends? Hugues, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, j'aurais deux questions. Par rapport déjà, pourquoi, je sais pas si, pourquoi la Russie, la Chine se remettraient du côté des pays arabo-musulmans? Ce sera ma première question. Après, ensuite, je demanderai pour la deuxième. Ok, la première question, parce que, premièrement parce que, enfin, la Chine et la Russie se mettent, c'est déjà le cas, ils sont beaucoup plus du côté des Arabes, et pour plusieurs raisons. Premièrement, pour une raison économique. Donc, c'est le pétrole. Déjà. Donc, le pétrole, et la Chine a un besoin énorme, un grand besoin du pétrole. Donc, et ils sont quand même, comme tu le sais, plus d'un milliard. Hein. Donc, c'est d'abord sur le plan, c'est une raison d'abord économique. Voilà. Et d'ailleurs, si tu lis Ézéchiel 38 et 39, qu'est-ce qu'on y voit là? Je pense que je vais pouvoir trouver ce passage-là. Et 38, verset 8. Regarde, je vais lire à partir du verset à partir du verset 5. Ceux des Perses, d'Éthiopie et de Pute, et avec eux, qui ont tous des boucliers et des casques, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togama à l'extrême nord, avec toutes ses troupes, et plusieurs peuples avec toi. Apprête-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après plusieurs jours, tu seras à leur tête et dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants délivrés de l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Et en ce pays qui aura été retiré d'entre les peuples où habiteront en sûreté. Et si tu lis plus tard, plus loin, il faut que je retrouve ça, et on nous parle des richesses qu'il y a aussi en Israël, dans cette région de la terre là, du globe. Il y a beaucoup, beaucoup de richesses là-bas. Et comme tu le sais, c'est le pétrole, c'est le gaz et tout ça. Et voilà, premièrement. Et deuxièmement, c'est une raison hégémonique. Hein. C'est-à-dire, la Russie veut retrouver sa gloire d'antan. C'est-à-dire, vous savez, c'était l'URSS. Hein, il y avait plusieurs pays, plusieurs fédérations. Hein. Donc, plusieurs pays, tout ça qui avait fédéré à la fédération de la Russie, tout ça, de Russie. Et la Russie veut retrouver cela. La Russie des tsars. Et donc, il y a cette vision un peu de la conquête. Et les Arabes, bien sûr, les nations arabes, la plupart, hein, vont bien sûr être soutenues. Et c'est le cas déjà aujourd'hui. Et la Russie aussi, comme tu le sais, s'oppose énormément à l'Occident. Oui, voilà, oui. Énormément. Ceux qui sont proches des Syriens. Ils sont proches des Syriens, proches des Égyptiens, hein, de l'Égypte. Et vous savez que l'Égypte, c'est le premier pays du monde arabe. Hein. Mm. Donc, le Caire est la plus grande ville
du monde arabe. Donc, et la Russie est vraiment derrière l'Égypte. Et depuis des années, ils ont vendu beaucoup d'armes, hein, les Russes, aux Égyptiens. Donc, d'abord, c'est vraiment une raison financière, économique. Et ensuite, cette cette envie de vouloir dominer le monde, de vouloir contrôler les nations. Parce que celui qui va contrôler les nations arabes contrôle aussi le monde. Parce que c'est le pétrole, c'est le gaz, il y a beaucoup de richesses. Oui, après, bon, ça va quand même se tarir un jour. Comment? Quand même, les réserves pétrolières vont finir quand même un jour. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est ça, oui, comme tu dis. Ouais, de toute façon. C'est sûr, c'est sûr. Mais malheureusement, les hommes ne voient pas les choses comme ça. C'est Donc, clair. il y a aussi la colère, hein. Je crois que la Russie, comme je disais, la Russie veut rester une grande puissance. Et donc, c'est le roi du Nord, hein. C'est Gog et Magog. Il y aura aussi derrière, parce qu'au nord d'Israël, il y a aussi la Turquie, il ne faut pas oublier. C'est clair. Donc, L'Europe est là, et l'Europe est là, et l'Afrique et l'Asie, on va dire, voilà. entre les deux continents, entre l'Europe et l'Asie. Oui, je Voilà. veux Et puis la Chine, ben la Chine aussi a cette vision, comme la Russie, de vouloir dominer le monde, hein. Merci. Et pour la deuxième question, en fait, t'as répondu en partie. C'est une question que je me posais depuis hier soir. Donc, par rapport à Marc 13, 24 que tu as donné, en ces jours-là, après cette affliction, le soleil s'obscurcira, la lune sera obscurcie, pardon, la lune ne donnera point sa lumière. Donc, en fait, moi, la question que je me posais, c'est que scientifiquement, la lune n'a pas de lumière. Donc, ça m'intriguait un peu de dire que la lune ne donnera pas sa lumière. En fait, Tu as si répondu? la Lune, comme tu le sais, effectivement, la Lune ne fait que refléter la lumière du Soleil. Oui, voilà. Et la nuit, pendant la nuit, c'est la pleine Lune. Quand il y a la pleine Lune, on est quand même un tout petit peu éclairé, hein. Donc, c'est la lumière du Soleil, bien sûr, que cet astre reflète. Et ben, là, comme tu le sais, les deux astres, Soleil et Lune, nous parlent d'Israël. Donc, en fait, même cette lueur-là de la Lune, là, qui peut quand même nous éclairer parfois dans une nuit ténébreuse, ben, ne pourra plus émettre, ne pourra plus éclairer qui que ce soit. Donc en fait, c'est en gros, on nous parle de l'apostasie d'Israël. Tu as répondu. Donc c'est pareil pour Exaïe 30, verset 26, qui dit: Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, pareil à la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel vous bandera la plaie de son peuple et guérira la blessure faite par ses coups. Donc là, c'est quand Là, c'est le royaume. le Seigneur, là. Là, c'est le royaume. Il n'est pas question du soleil physique, ni de la lune physique. C'est toujours une interprétation prophétique, allégorique qu'il faut faire ici. Il est question de la restauration d'Israël. C'est le royaume millénaire. Ok. Voilà. Merci, c'est plus clair. C'est vraiment, ça m'a intrigué. Je comprenais pas comment on dit la lune donnera plus sa lumière. Okay, merci, là, c'est vraiment clair. Voilà, que Dieu soit béni. En fait, dans Merci l'interprétation de la beaucoup. parole, comme je le disais tout à l'heure, mes frères et sœurs, beaucoup ont occulté, ont carrément rayé Israël, et ils ont voulu faire une interprétation. Ils font une interprétation complètement farfelue et attribuant malheureusement à l'Église les prophéties relatives à Israël. Et ça, ce n'est pas correct. Voilà. Donc, merci en tout cas, mon frère Hugues. Allez, bonne soirée, Bon ciao. courage. Voilà. Merci. Voilà. Donc, vous voyez bien que les démons, comme vous l'avez compris, hein, donc de plus en plus vont, de plus en plus, parce qu'ils savent qu'ils ont très peu de temps, eh ben, ils vont pousser les hommes, comme on le verra lorsqu'on parlera de la, lorsqu'on va parler de l'Armageddon. Vous allez voir que ces démons, eh ben, vont provoquer la Troisième Guerre mondiale. Et de manière vraiment globale. Et ce sont ces grenouilles, hein, voilà, ces démons en forme de grenouilles, voilà, qui vont rassembler les armées du monde pour attaquer Israël. Voilà. Donc on voit bien que la chute des démons, la chute des étoiles, provoque, mes amis, l'anarchie sur Terre, provoque le chaos aussi dans la plupart de nos églises. Ils ont introduit dans les églises, comme vous le savez, la doctrine de la prospérité financière, de l'évangile de la prospérité financière. Ils ont introduit l'amour de l'argent. Ils ont introduit, mes amis, l'amour pour la dîme. Ils ont introduit, mes amis, des lois telles que, et mes amis, le péché, hein, donc des lois autorisant des personnes du même sexe à aller ensemble. Ils ont introduit, mes amis, une autre vision que celle que le Seigneur nous a donnée. Voilà. Donc, et c'est pour cela que vous voyez l'état des églises aujourd'hui. Il n'y a plus tellement de guérison véritable, de conversion véritable, des vraies conversions, et des satanistes qui se convertissent, qui abandonnent le péché, et des guérisons sans forcer, hein, deviennent de plus en plus rares. Et on parle plus d'argent, d'argent. C'est comme si l'argent était mort à la croix pour nous. Et tout ça, là, ce sont des conséquences de la chute des puissances des cieux.
parce que Yeshua revient. Alors, par rapport à la chute des démons, donc des étoiles, la chute des démons, je ne veux pas développer cela ce soir, mais je vais développer cela lorsqu'on va parler des trompettes. Hein, parce que là, au retentissement de certaines trompettes, il va y avoir la chute, hein, donc la chute des étoiles. Et là, on va encore développer sur ça. Et, voilà, donc vous avez compris que à l'ouverture du sixième sceau, il y aura des tremblements de terre, et c'est déjà le cas. Vous avez compris également que les étoiles vont tomber du ciel, que la lune va devenir ténébreux, le soleil, pardon, deviendra ténébreux, la lune sera couverte de sang, hein, complètement ensanglantée, tout ça. Et ça, c'est vraiment l'apostasie en Israël, et c'est déjà le cas. Et effectivement, et les étoiles, donc les juifs, les arabes, qui sont descendants d'Abraham physique, selon Genèse 15, tombent de plus en plus. Hein? Donc ça, vous l'avez compris, je crois. Et nous sommes vraiment à la veille du retour du Mashiach, mes amis. Prions, préparons-nous pour le retour du Mashiach. Alors, la prochaine fois, on va parler de l'ouverture du septième sceau. Et ensuite, on va attaquer les trompettes. Et vous avez la possibilité de nous appeler pour poser des questions, mais vraiment des questions en rapport avec les enseignements pour ne pas sortir de nos thèmes. Voilà. Et puis, si vous avez d'autres questions à nous poser, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer sur place si vous n'habitez pas loin ou nous envoyer des mails et on essaiera par la grâce de pouvoir vous répondre. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il nous sanctifie par son esprit, par sa parole véritable. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël, que Dieu vous garde. Amen. Au revoir.